Salut à toi, seigneur de guerre, et bienvenue sur Creative War Games. Aujourd'hui, Morgoth nous vient avec sa fameuse armée, Blades of Khorne. Et c'est toute la puissance du dieu de la guerre qui déchaîne. Deux buveurs de sang et Skarbrand lui-même mènent cette légion de colère et de sang. À leur suite, des Wrathmongers font pleuvoir la mort. Une meute de chiens de Khorne se repaît de sang et de magie, et une horde sanguinaire collecte le tribut de crâne pour leur dieu. C'est sur leur territoire démoniaque, aux portes de Gur, que Frank commande ses Flesh Eaters Court. Un Ghoul King sur Terrorgeist et un abhorrant Archrégent sont accompagnés de leurs courtisans pour mener une horde de flyers, de ghouls et de monstres. Les généraux s'affrontent sur le scénario Incursion Sauvage. 6 objectifs sont positionnés sur le champ de bataille. Il faut en tenir un pour marquer un point, 2 pour en marquer 2 et plus que son adversaire pour en marquer 3. De plus, à partir du deuxième round, si un objectif est tenu en territoire adverse, il peut être détruit pour apporter un point supplémentaire. Passons dès maintenant à la présentation des armées. Bonjour, moi c'est Morgoth et aujourd'hui je vais encore jouer les Blades of Khorne. Et pour cela, je vais jouer les Faucheurs de la Vengeance. Mon général justement sera le Wrath of Khorne qui me permettra avec la sous-allégeance justement de pouvoir dissiper jusqu'à 2 sorts, toujours avec un bonus de plus 2, dont le premier sort qui fait que si je fais un 8 automatiquement pour dissiper, fera 6 blessures mortelles. Sur la deuxième fois, si je refais un 8, ça ne fera qu'une seule fois. Et sinon, il est équipé en artefact du manteau venge-sort, si je me rappelle bien du nom en français, qui lui permet justement d'ignorer les effets de sort sur un 2+. Ensuite, pour cela, il est accompagné d'un prince démon, de Khorne, bien entendu, qui aura l'amulette de destinée, donc pour avoir une protection à 5+. Pour le reste, nous avons donc justement un autre buveur de sang, qui est le Unfettered Fury, si je me rappelle bien et si mon accent anglais est toujours aussi bon, qui me permet justement de pouvoir choisir une unité à 16 pas, entièrement à 16 pas démoniaque, qui me permet après justement de pouvoir engager, non pas de 3 pas mais de 6 pas, et de pouvoir justement attaquer non pas à 3 pas mais à 6 pas. Et dans la fin des princes démons, enfin plutôt des princes démons, que dis-je, des buveurs de sang, il y a LE buveur de sang que tout le monde attend à chaque fois en rapport de bataille, mais pas forcément en face quand on l'affronte, c'est bien entendu Skarbrand, qui me permet aussi bien justement d'infliger des blessures mortelles en veux-tu, en voilà, et généralement pour l'adversaire c'est beaucoup trop par rapport à ce qu'il veut faire. Et justement il faut savoir que Skarbrand, sur ses deux attaques de hache, il peut faire justement une attaque de hache qui fait entre 8 blessures mortelles, voire 16 blessures mortelles sur un 6, et sachant que s'il n'a pas attaqué au round précédent à chaque fois, il sera à son plein potentiel. Et pour réussir ce combo, l'armée se constitue d'un Blue Secrator, qui permet justement aux unités de Khorne amis à 16 pas entièrement de bénéficier d'une attaque supplémentaire. Donc c'est pour cela que Skarbrand, lorsqu'il fera son attaque de carnage, n'aura pas une attaque, mais deux attaques. Et dans le reste de la liste, justement, j'ai 2x5 Wrathmongers, qui me permet, là encore une fois, sur une bulle un peu plus réduite, à 8 pas au tour 2 entièrement, d'avoir une attaque supplémentaire. Donc ça veut dire qu'à plein potentiel, Skarbrand peut infliger 8 blessures mortelles sur un 1+. Comment vous dire que Franck, si ça passe, bisous, hein, voilà, bisous tout de suite à Franck et à toutes les personnes qui vont affronter Skarbrand dans ce genre de potentiel. Sinon, le reste de mon armée a en ligne justement 2x5 chiens de Khorne pour surtout me permettre de prendre les objectifs rapidement ou de faire des redéploiements pour essayer de bloquer un petit peu l'avancée adverse. Et j'ai aussi 10 sanguinaires de Khorne qui ont la bannière de je ne sais plus comment ça s'appelle en français. Toujours est-il que sur un 1 naturel en test de déroute, je récupère des 6 figurines, sachant que les sanguinaires font des blessures mortelles sur un 6 pour toucher non modifié. Et du coup, je pense n'avoir rien oublié, et pour l'occasion, je laisse la parole à Franck. Salut les seigneurs de guerre. Alors moi, aujourd'hui, je viens avec mes Flesh Eaters Court dans la grande cour Crystal Gore. On va envoyer du lourd au niveau des monstres et des héros. Voilà, j'essaie de jouer aujourd'hui dans la surviolence. On s'est dit de toute façon avec Morgoth qu'on se faisait pas de cadeaux. Là, moi, l'idée, j'en avais parlé, c'est de rentrer dans le cadre, dans un cadre vraiment compétitif. Donc, ça va être mon premier entraînement aujourd'hui. Mon armée est donc composée, tout d'abord de son général qui est mon Ghoul King sur Terrorgeist, qui a le trait de commandement des Crystal Gore, c'est-à-dire frappe en premier, et l'artefact
aussi des Crystal Gore qui me permet, une fois par bataille, de lancer un dé. Si, si le résultat est supérieur à la valeur en blessure d'une des figurines de l'unité, une figurine est tuée instantanément. Voilà, bon ça c'est un peu une taxe obligatoire, c'est pas ultra utile, mais voilà, ça fait la blague. Accompagné de ça, à la tête au commandement des ghouls, nous avons un Vargulf, à poil, hein, il est comme ça, ainsi qu'un Crypt Infernal courtier, qui va être là pour booster ses amis flyers, et le grand chef aussi, un arborant archrégent, qui lui est équipé de la cape de peau, qui lui permet d'avoir plus un au spell et au deny. Même si bon, face à une armée corne, ça va pas me servir à grand chose le deny. Mais bon, ça va peut-être me permettre de résister à ces deny à lui qui sont assez énervés chez corne. Pour accompagner tous ces grands chefs, nous avons un Royal Terrorgeist qui va être une des lignes de mon armée, puisqu'en Crystal Gore je peux jouer les zombies dragons et les Terrorgeist en unité, en ligne. Ensuite, 6 flyers qui vont être là pour être un peu une unité satellite qui va courir à droite à gauche pour aller faire ce qu'il y a à faire. Et enfin, un pack de 20 ghouls, parce que les ghouls, apparemment, c'est bien. 20 ghouls, c'est bien. 10 ghouls, c'est moins bien, mais il y en a aussi 10 pour aller tenir un peu les objectifs en fond de cours. Voilà. À s'ajouter à cela, j'ai un Endless Spell qui est le Chronomantic Cog, j'ai oublié le terme en français, je suis désolé, qui va me permettre soit d'avoir plus un spell, plus un sort pour lancer un sort en plus, soit avoir plus un à la charge à 18 pouces autour de lui. Voilà pour ce qui est de mon armée. On se retrouve tout de suite autour de la table. A de suite. Et nous voici donc autour du champ de bataille. Morgoth. Bonjour. Dis-nous, donc c'est toi qui as fini de poser en premier, donc on sait tout de suite que tu auras le choix de l'initiative. En premier lieu, est-ce que tu peux tout d'abord nous présenter ta grande stratégie ? Bien sûr. Alors, aujourd'hui, Korne va prendre comme grande stratégie de garder le plus de monstres en vie possible. Et pour cela, c'est-à-dire qu'il faut que je garde aussi bien le buveur de sang de la furie, le buveur de sang de la colère, et surtout, le plus important, le petit Scarbrand bien nommé. Très bien, et moi de mon côté, ça sera présence dominante qui demande d'avoir le plus d'unités à la fin de la bataille. Avant tout, est-ce que tu peux nous dire, donc, c'est toi qui as le triomphe, puisque tu as 1955 points. Oui. Qui fait ça ? Qui ? quel est ton triomphe ? Alors, mon triomphe me permettra de relancer une charge ratée. Fort bien. Et moi, bah, du coup, je ne l'ai pas. Et enfin, bah, est-ce que tu peux nous présenter ton déploiement ? Mais bien sûr. Alors, pour cet objectif de mission, on en a 3 chacun dans notre zone de départ, sachant que à partir du deuxième tour, du deuxième round, pardon, on peut en cramer un. Donc c'est pour ça que là, mon déploiement, autant avoir le plus d'objectifs possible, comme ça j'ai les 3, avec toujours un flanc qui est là pour essayer de faire acte de présence, on va dire, et un gros blob central pour essayer d'après de me projeter au fur et à mesure, avec justement le prince démon qui est imprimé en plein milieu de mon déploiement pour avoir sa petite vue d'effet pour t'annuler aussi bien la, entre guillemets, justement la course et la charge, vu que ça te la divise par 2. Et avec justement Scarbrand qui n'est pas très loin, pareil pour le buveur de sang de la furie, pour avoir justement son petit trick en phase de combat, mais ça, on le verra plus tard. Voilà, somme toute, un flanc qui est pas forcément plus protégé, mais après, comme je vole, etc., je peux plus après venir... Derrière, reprendre la situation, normalement. Voilà. Fort bien. Eh bien, moi, de mon côté, moi aussi, j'ai choisi de sacrifier un flanc, mais pas vraiment en vrai. Je vais commencer par là. Donc, là où j'ai mis donc, mes 6 flyers, mon infernal courtier, ainsi que mon archrégent qui sera là pour le moment. Voilà. C'est bon, c'est un peu le flanc que je vais un peu délaisser pour le premier tour tout du moins, mais après on va voir comment on peut évoluer. Ensuite, un gros centre bien solide avec donc 20 ghouls qui vont bien, le Vargulf, les 2 Terrorgeist dont celui avec le Ghoul King ici qui est donc mon général, et enfin 10 ghouls qui seront là pour tenir le point qui est ici. Voilà pour ce qui est de mon déploiement.
Nous allons donc attaquer le tour 1. Avant tout, il faut savoir qui c'est qui commence. Alors, comme j'ai fini de me dépolier en premier, je vais te laisser aimablement l'initiative. Voilà. Très bien, alors c'est parti pour le tour 1. C'est donc parti pour le tour 1. Je gagne un point de commandement. J'en gagne 2. Tu en gagnes 2. Début de ma phase 0, mon général est sur la table. Le mien aussi, ça tombe bien. Je suis à 2 points de commandement et toi à 3. À 3. Très bien, début du tour 1. Donc, je gagne un point de commandement, tu en gagnes 2. Gagne un deuxième parce que mon général est là. Et toi, un troisième. Exactement. Pour la même raison. Ensuite, ma tactique de bataille, ça va être monstre accapareur. C'est ce monstre-ci qui va devoir... donc, c'est le terrorgeist. Hein, qui va devoir tenir un objectif. Aller au hasard, je ne sais pas lequel, on verra. C'est pas comme s'il le couvre déjà hein, de son attention, hein, de son amour, on va c'est dire. Vrai, il l'a près de lui, c'est son œuf. Je vois ça. On pourrait dire que c'est un œuf, voilà. C'est un œuf de Terrorgeist. Alors vous avez 3 heures pour dire comment un Terrorgeist peut faire un œuf. Voilà, vous avez 3 heures. Cherchez, les biologistes. Ok. Voilà pour ma tactique de bataille. Ensuite, pour ce qui est du reste de la phase de héros. Donc, action héroïque pour commencer. Mm-hmm. Si je ne m'abuse, choisir de tenter de gagner un point de commandement avec Coco Lastico, le bien nommé, le Ghoul King. Très bien. C'est parti, donc c'est sur un 4+. Et voilà. Ça commence bien. On est bien. Ah, c'est tour 1, voilà, il faut faire 1. Hein. Voilà, alors, et toi? Tandis que moi, ma tactique de bataille, alors je pourrais gagner soit un point de commandement supplémentaire, je n'en vois pas trop l'utilité pour l'instant, donc je vais surtout faire en sorte que mon buveur de sang ici, donc qui est mon général, puisse dissiper un sort supplémentaire. Voilà. Ok. Suite de la phase des héros, donc c'est les sorts. Donc je vais déjà commencer par lancer mon tout premier sort qui va être... le lancement de mon sort persistant, le Chronomatic Cog, de son nom français, je l'ai oublié, je suis désolé. Donc c'est une valeur de lancement de 6, je le lance donc... Oups là, j'ai failli casser mon gars. Je le lance donc avec le Ghoul King, c'est parti. Et ben ça fait un 5, je suis bien content. Ça commence bien ce tour, c'est incroyable. Second sort qui va être lancé donc par l'Arche Régent, ça va être Lost Spectral. C'est parti, c'est sur un 6, il a plus 1 au cast. Ça fait 8, donc 9. Est-ce que tu le deny? Pour avoir plus 1 en lancement de sort. Non, vas-y, je suis joueur. D'accord, donc très bien. Donc je lance le Spectral Host sur l'unité de Flyer qui va donc pouvoir, comme il vole déjà, courir et charger au même tour. Très bien. Deuxième sort, toujours l'Arche Régent. Qui va lancer une fin dévorante. C'est sur du 6, plus 1 au cast. Ça fait 6. Ça fait pile poil 6. Est-ce que tu le deny? Oui, tout à fait. Alors, sachant que je suis avec les faucheurs de la vengeance, je te fais un 8 naturellement. Tu te prends des cibles sur mortelles, ça me ferait plaisir. Des 8? Des 6. Ah, des 8. Des 8, tu comprends. Oui, c'est bien pour Korn, le 8, mais bon. Alors. Bah tiens, en parlant de ça. D'accord. Allez, on commence. Allez, c'est parti pour le show. Tu te prends 5 blessures mortelles. 5 blessures mortelles, ce qui fait que j'ai une protection à 6. Je vais lancer tout de suite. Je m'en prendrai 4. Donc voilà pour ce qui est de mes sorts. Je vais donc pouvoir clôturer mon tour, enfin ma phase 0, pardon. Pas mon tour. C'est bien, mon petit, c'est bien. Ouais, T'as bien travaillé. Je n'aime pas Korn, je sais pas pourquoi. Donc on passe tout de suite à la phase de mouvement. On se retrouve juste après. Fin de ma phase de mouvement. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai avancé ce Terrorgeist-ci à 6 pouces de l'objectif, ma foi. Donc il le tient toujours, mais c'était pour avancer un peu et avoir de la marge pour la suite. Mon seigneur de guerre... Le laborant Ghoul King a avancé de 14 de sa valeur de mouvement pour se retrouver donc à 6 des Warmonger. Warf. C'est très... Il y a beaucoup de chiens d'ailleurs, donc c'est pour ça. Oui, c'est pour ça. Ensuite,
J'ai fait avancer mes ghouls ainsi que j'ai aussi fait courir l'infernal courtier. Voilà, le Vargulf est venu en soutien pour les ghouls, puisqu'il il est là pour ça, il relève des ghouls, hein, le gars. Ces flyers ici ont avancé pour gratuit, puisqu'ils ils étaient dans un détachement Vanguard, donc oui, je leur ai fait une course auto à 6. Ils sont partis de là pour arriver de là. Mmh. T'as arrêté à 3 pas. Voilà, je me suis arrêté à 3 pas. Et derrière, moi, mon petit Scarbrand a retardé l'inévitable, rien que pour le show, on va dire ça comme ça, pour faire un magnifique redéploiement à 6. Hein. Du coup, bisous à Miladin, ton dé marche magnifiquement bien. Et il triche, il n'utilise pas ses dés. Ah, c'est le tien, ce soir. L'arche-régent est resté planqué derrière. Il a vu ce que ça fait d'être repris à distance. Il a pas. Voilà, il reste. Bah, c'est un arche-régent, voilà. Et voilà pour ce qui est de ma phase de mouvement. Nous pouvons donc passer tout de suite à la phase de tir. J'ai donc un tir de mon Ghoul King sur Terrorgeist. C'est un tir un peu spécial puisque c'est un tir qui est en fonction de la bréverie. La fameuse bréverie. Donc je lance un des 6, je rajoute 6 là pour l'instant sur son tableau de dégâts. A savoir qu'il a plus 1 grâce à son trait de monture. Ce qui fait que je me retrouve avec un lancement de 7 plus un des 6. Oui. Et tu as une bréverie de combien? De 7, donc ça tombe bien, dis donc. Bah dis donc. Donc le nombre de des 6, enfin mon nombre des 6, ça sera des BM. C'est parti. Je suis bien content. Alors j'ai 3 points de vie, donc l'un de mes petits Warfmonger va se prendre 2 points de vie. Ce qui sonne donc la fin de ma glorieuse phase de tir, vu que mes flyers ont couru, je ne peux pas tirer. Donc on va passer tout de suite à la phase de charge. Sans plus attendre, je vais faire charger mon Ghoul King sur Terrorgeist. C'est parti. Mon Kiki. C'est une charge à 9, ce qui est donc amplement suffisant pour aller charger les Warfmonger. Ah, j'ai du mal, hein, les Warfmonger. Deuxième charge, tout de suite avec les flyers. C'est parti. C'est une charge à 10. C'est beau. C'est très beau. Alors ça va être important, là j'ai des choix à faire, donc on se retrouve tout de suite après mes déplacements de charge. Donc voilà pour ce qui est de ma phase de charge. Donc le Terrorgeist est venu charger les Wrathmonger et les chiens-chiens. Enfin, il ira effectivement cliquer les chiens avec son engagement. Et alors il y a plein d'ailes, il y a plus un bordel. C'est le T1, c'est normal, c'est du corps à corps. Non mais c'est bizarre, ça fait vraiment plein de chauves-souris dans tous les sens. Donc on a les flyers qui sont venus charger, vu qu'ils ont leur superbe chargeur 10, ça leur permet d'aller charger le Blood Secrator qui est derrière, le prince des Wrathmonger. D'autres chiens, et encore des... Donc voilà. Et donc voilà, donc ça me permet de bloquer un peu tout ça. Ça va me permettre d'avoir tout ça d'unités quand même qui vont être un peu nullifiées au prochain tour. J'ai peu d'espoir de la survie des flyers déjà à ce tour-ci. Je serais bien content s'il y en a un ou deux qui survivent. On verra. Mais on va essayer de faire le maximum de dégâts et on sera bien content. D'ailleurs, avant de continuer, le petit trix. Je sais qu'on n'a pas encore la phase des monstres, etc. Mais précision pour ceux qui jouent Scarbrand ou que ceux qui vont l'affronter. Dans les Reapers of Vengeance et dans... comment ça s'appelle ? Je peux faire attaquer 2 fois une unité démoniaque qui a attaqué. Donc là, je pourrais me faire plaisir un peu dans tout ça. Mais le plus important, le petit piège que j'avais conçu pour Franck est... Il a esquivé brillamment, et encore heureux. Pourquoi? C'est parce qu'à la début de la phase des héros, mon buveur de sang ici présent peut utiliser son attitude de commandement pour faire engager et faire attaquer une unité qui se trouve non pas à 3 pas, mais à 6 pas. Donc, Scarbrand sera malentendu, pouvait impacter à un moment donné, après que les flyers aient été attaqués, le faire arriver et refaire le ménage derrière sans avoir eu de contre-attaque. Vu que Franck a esquivé brillamment la zone d'effet des 6 pas, voilà, ça fait toujours plaisir. Sinon, ça veut dire que sur un malentendu, T1, j'aurais pu en fait le faire tomber dans mon piège et raser tranquillement une unité avec un petit Scarbrand, même s'il n'est pas buffé par toutes ses compétences, au moins Scarbrand commence à faire son ménage tranquillement. Ça reste une brute épaisse. Oui.
Donc, fureur monstrueuse, je vais faire un piétinement avec mon terrorgeist sur les chiens-chiens. C'est donc sur un de plus, c'est des trois blessures mortelles. C'est un... 2. C'est un 2. Donc ça fait des 3. Des 3, en effet. Un ça chien en moins. Deux blessures mortelles. Mon général ayant la règle frappe en premier, donc il va frapper en premier. Et j'activerai ensuite mes flyers, donc je suis plutôt tranquille pour ce tour ici. Donc c'est parti pour les premières attaques. A savoir que dans la mesure où c'est un héros et un monstre en crystal gore, les 6 à ses attaques proc une touche supplémentaire. C'est parti, premières attaques, donc les serres du Ghoul King, c'est sur du 3+3+. Donc ça fait 3 blessures, raid moins 1. Mm-hmm. Ça marche. Sachant que du coup j'ai une sauvegarde à 5, je passe à 6. Eh bien non, ça ne passe pas. Combien de dégâts, s'il te plaît? Un dégât pour le moment. Un dégât. Donc, à mort, le Warfmonger est beaucoup trop loin pour activer sa capacité de mort. Donc, du coup, ça ne fait rien. Par contre, ici, je vais faire le point de vie qui lui reste à ce petit sur celui-là. Du coup, bien. Pour que ça vienne taper. Exactement. Donc, ce sera sur celui qui est sur l'objectif. L'objectif, voilà. Comme ça, on l'enlève, voilà. Ensuite, on passe aux attaques du Terrorgeist, qui va donc utiliser ses griffes de squelette en premier lieu. 4 attaques, 4+3+. Ok. Voilà. C'est une phase. Bien. Maintenant, ça va être beaucoup mieux avec son râtelier de crocs, vous allez voir. Je vais faire pareil, là, ça me va. À savoir que les 6 sont 6 blessures mortelles à la touche. Yoff! Je suis heureux, donc ça me permet aussi de proquer une touche en plus. Donc tu as déjà 6 blessures mortelles. Très bien. Et j'attaque donc à 3+. Ça en fait une. Donc tu as une save à reine de moins 2. Reine de moins 2, donc j'en ai pas. Combien de dégâts? D6. Donc j'en fais 6 plus. Plus ça 3, fait ça fait 9 blessures dans tes troncs. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, donc. L'attitude des Warfmongers. Lorsqu'ils meurent, ils peuvent infliger des blessures mortelles. Donc, comment ça se passe? Toutes les figurines, enfin, je choisis une figurine qui était à un pas de la figurine qui était tuée. Donc, par exemple, celui qui était ici peut attaquer aussi bien le petit flyer là que le roi qui est ici présent. Mmh. Celui qui était mort n'était pas à portée. Par contre, celui-là était à portée. Donc, par exemple, je vais lancer un dé. Sur un 1, il ne se passe rien. De 2 à 5, il prendra une blessure mortelle. Et sur un 6, ce sera des 3 blessures mortelles. Donc, par exemple, ici, sur le roi, ce sera une blessure mortelle. Tandis que ici, je pourrais taper aussi bien donc, sur les flyers que sur le roi. Donc là, autant le faire sur le roi. Donc, rebelote, tu auras 2 blessures mortelles, s'il te plaît. Un total de 3 blessures mortelles. 2. Ah, mais à savoir que j'ai une protection à 6, tout de même. Ah, oui. T'as même pas à 5? Non, c'est un sort, ça. Ah, d'accord. Eh bien, une qui a arrêté. Donc, je prends une blessure mortelle. Blessure mortelle. Pour un point de commandement, je vais utiliser la frénésie sanguinaire qui me permet, immédiatement après avoir combattu, de combattre une deuxième fois. Donc je réactive mon Ghoul King. Et on est reparti pour la même chose. Je vais faire... Alors oui, il faut que je dise mes attaques. Et oui, il faut bien répartir. Je vais faire... Il lui reste un PV, c'est ça? Oui. Donc je vais faire mes... Alors, je vais commencer par faire les attaques du Ghoul King, donc les serres, sur le Wrathmonger restant, et le reste des attaques sur les chiens. D'accord, je n'en ai pas encore, mais vas-y. C'est parti pour les serres d'abord sur le Wrathmonger. Donc c'est sur du 3+, et 6 proc, donc c'est bon. Et de nouveau 3+. Ça fait 2 raids moins 1. 2, ça va 6. C'est raté, et bien du coup je te refais l'attitude du Warfmonger. Tout à fait. Sur un 2, tu te prends donc encore une blessure mortelle. Et sur un 6, c'est nullifié. Non. Ok, deuxième attaque, donc c'est 4 attaques de griffes de squelette sur les chiens, 4+3+. Je hop là, comme ça, 4+3+ donc. Donc c'est bon, ça touche. C'est non, c'est 4+, pardon. Et 3+, ça fait une... reine de moins 1. Moins 1, ça reine moins 1. 6. Non, combien de dégâts? Des 3 blessures. Une blessure, ça marche. Et pour finir, les 3 dernières attaques, le râtelier de crocs. Les 6 sont des blessures mortelles. Oh, donc ça te fait 12 blessures mortelles. Est-ce que ça suffit à les tuer? Voilà, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me fait mon deuxième point de div de sang. C'est beau, c'est merveilleux. Et pour regarder des 6 blessures quand même derrière, bon, ça te faisait 13 blessures. Voilà.
Non, mais c'est un avant-goût à ce qu'un branle. Là, voilà. C'est bien beau, là, c'est un bel imitateur. Non, il faut l'applaudir, c'est propre, sa performance. C'est propre. Qui fait que j'en ai terminé, et je suis quand même bien content, avec mon Gulking. C'est donc à toi d'activer ton personnage qui... Frappe en premier, en effet. Frappe en premier. C'est-à-dire le prince démon. Alors là, sachant que là, il va se venger comme il peut. Hein. Donc, j'ai 3 attaques à chaque fois selon ses différentes attaques. Mais le plus important, donc là, en bleu, ce sera la hache et en beige, ce seront les attaques de griffes, etc. Je suis à portée de mon Blood Secrator. Ça me rajoute une attaque supplémentaire pour les attaques. Et je suis à 8 pas ou moins de mes petits Forkmongers ici présents, ce qui me rajoute une attaque supplémentaire. Je n'ai pas chargé, donc je n'ai pas droit au bonus de plus 1 pour te toucher. Donc c'est parti, ce sera du 3 plus à chaque fois. Voilà, c'est parfait, il n'y a pas de 1. Tout passe, c'est beau, c'est merveilleux, c'est magnifique. 3 plus pour blesser à chaque fois. Parfait. Hop, voilà. Sachant que en bleu, ce seront des sauvegardes à moins 2 pour 2 dégâts. Et ici, c'est 100 rend, mais pour 2 de dégâts. D'accord. Donc on va commencer par les 100 rend. C'est une sauvegarde à 5 plus, c'est parti. Donc pour les 100 rend, 5 plus. Oh, ouais, bah, c'est pas négligeable. Oh, putain. Donc il y a 2 points de vie, mais par contre, j'ai une protection à 6. Vas-y. Ah ouais, on veut jouer à ça, monsieur. Ok, c'est bon. Voilà. Ok, on joue à domicile, voilà. Vas-y, il y a le stade qui est en feu. Ok, c'est bon, ok, je note. Et donc, on en a 3, raid moins 2, donc ça fait 7. Donc, je vais faire mes 3 protections directement. C'est un dégât. C'est 2 de dégâts à chaque fois. Donc, 2 dégâts, ça fait 6. Allez, regarde ça. Ouais, je regarde. Bon. Voilà. Voilà, donc c'est du 4 PV par tête. Ce qui fait qu'il y en a un qui meurt et un qui perd 1 PV. Donc, les flyers attaquent. Je vais commencer par activer le champion qui est contre le Blood Secrator. Donc lui, il a 5 attaques, à savoir qu'ils ont charge en paleuse, donc ça fait que les 6 font des blessures mortelles en plus du reste, donc ça c'est cool. Donc j'utilise un point de commandement pour faire attaque en règle et donc gagner plus 1 à la touche. Et tandis que moi, je vais me mettre plus 1 en sauvegarde sur mon petit Blood Secrator. Sur le Blood Secrator, très bien. Donc j'ai plus dans la touche, donc ça donne du 3+, 3+, c'est parti. Donc sur 3+, 3+, sur Secrator, pas de 6 malheureusement, ça fait 3 touches. 3 touches à 3+, ça fait 3 blessures, reine de moins 1. Donc sauvegarde à 3, 2 sauvegardes, 1 point de vie en moins. Je vais donc mettre deux flyers sur le prince. Vas-y. Donc ça fait 8 attaques. Les 6 sont des blessures mortelles, allez, s'il te plaît. Toujours pas. Dis-moi que c'est pas. Non, c'est pas un 6. Non. C'est sur du 3 plus aussi, donc ça fait 6 touches. Ce qui est mieux. Ce qui est un peu mieux. C'est le point de commandement. Et 3 plus, c'est donc, pas fou. 3. 3 sauvegardes à moins 1, donc ça me fait une sauvegarde à 4. Sauvegarder. 8 attaques sur les Wrathmongers. Allez les gars, 6. Il y a un 6. Il y a un cassé. C'est un 3. Donc il y a une blessure mortelle. Très bien. Et le reste. Ce qui te fait une touche supplémentaire. Ce qui me... non, c'est non, seulement pour les héros, les monstres. D'accord, ça marche. Parce que c'est déjà bien. Ah, oh. Et oui. 3, 1. Hop là. Donc 3, raid moins 1. Moins 1, donc une save à 6. Oh là là, quel dommage, je perds des unités, oh là là. c'est des 1 tes crânes Oui, tout à fait, okay. Les 1 ce sont des crânes. Donc 3 blesses plus une mortelle, ça marche. Ça fait 4 blesses. Et oui, et entre temps, là je vais pouvoir attaquer donc, avec ma mort, sachant que j'ai un bonus de plus 1, vu que la figurine qui était morte avait 2 figurines de l'unité à côté. Ah oui. Donc 5 et 1, 6, tu te prends des 3 blessures mortelles, c'est-à-dire 3 blessures mortelles. 3 blessures mortelles que je vais tenter de nullifier avec ces 3, 6. Voilà. Ben, ça fait un mort supplémentaire. Ce qui fait une moelleté de la moelleto, puisqu'ils ont 4 PV. Donc, on va d'abord faire attaquer, qu'importe, aussi bien le Blood Secrator que les Wrathmongers. Je vais d'abord faire bouger les Wrathmongers, sachant qu'ils ont 2 pas de portée, donc lui peut attaquer, il attaque. Ils ont 4 attaques chacun, plus 1 avec le chef, donc ça fait 4, 8, 12 et un 13 attaques. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12 et un 13. Et j'ai le bout de sécrateur qui est à côté, donc je me rajoute 3 attaques supplémentaires. Je touche sur du 4. Si j'avais chargé, j'aurais bonus de plus 1, mais là, ça ne m'intéresse pas. Donc sur du 4+. C'est beau. C'est pas mal. C'est correct. Oui, c'est la vengeance, hein, je te l'avais dit. Ensuite, c'est sur du 3+, pour te blesser. Allez, on recommence. Du 3+, et bien voilà. Tu auras donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sauvegardes à moins 1, s'il te plaît, pour un dégât. Donc 10 sauvegardes à moins 1, ça fait sur du 6. Bon, il y a du 6. Donc ça en fait 2 de sauvegarder. Et donc 8 points de vie en moins. 8 points de vie en moins, donc... C'est pas moins 1, donc pour l'instant c'est bon. C'est des sauvegardes à moins 1 là. Ouais. Ok, donc j'arrête. Donc ça fait 8 PV. Ouais, 8 PV, donc 8... Donc 8 protections. Oh. Et ça en fait une de plus. Ce qui fait que j'ai un mort et un à qui il reste un point de vie. Voilà. Donc c'est au tour du bout de sécrateur. En effet, donc il est bien à portée des vipas. Parce qu'il tape en plus ce mec. Et oui, et il fait du dégât. Il a 4 attaques de base, il est à portée de sa bannière, donc une 5ème attaque, et il est à portée des vipas des Warfmongers, donc il fait une 6ème attaque. Oh ouais. Sur du 3+, c'est bien. On recommence, sur du 3+, c'est mieux, pas mal, c'est voilà. Donc 3 sauvegardes à moins 1. 3 sauvegardes à moins 1, c'est toujours du 6, c'est parti. C'est parti. Ouais. Et donc 3 pour un dégât. Pour un dégât, donc du 6. Ouais. Donc ce qui sonne donc la fin de la phase de combat, je suis un peu mécontent, je l'avoue. Mais on va se refaire, Hein. Comme ça, je suis mécontent, je fais des unités, je fais un peu de points divorcés par là, mais j'ai jamais assez. C'est corne ça aussi, je pense. C'est vrai. Fin de la phase de combat, phase de morale. J'ai perdu 4 flyers, ils ont une bravery à 10, donc je la réussis automatiquement. Je suis prêt à parler que c'est une bravery, ces trucs-là, là. Alors, les Warfmongers, non, ils ne sont pas une bravery. Donc, je lance mon dé, sachant que si je fais un 6 plus un 7, ben, du coup, ils sont immunisés, donc voilà. Voilà. Donc, ils sont bien immunisés. Voilà, c'était pour le fun, on va dire. Très bien. Donc, ça nous amène tout de suite au scoring. Qu'est-ce qu'on a fait? Très bien, d'abord je fais un point parce que tu as un objectif. Tu as 2 points parce que tu as 2 objectifs. Et hasard de la partie, je pense que tu me le prends magnifiquement sérieusement. Bien. Donc, parce que là tu vaux pour 5, là j'aurais 1, j'aurais 2. Mon buveur de sang est beaucoup trop loin. Puisque c'est du milieu, ouais, donc non, ça ne passe pas. Donc tu me prends l'objectif, ce qui te fait 3 points tels quels. Ouh, c'est beau, c'est magnifique. C'est pas mal. On est encore qu'au premier round de bataille, donc il ne peut pas encore me le cramer. Je suis bien triste. Ça fait plaisir. Et donc, après, tu as marqué ta tactique de bataille. Ça te fait donc 5 points. 5 points pour cette fin de tour. Je suis quand même heureux. Ah oui. Oui. on attaque donc tout de suite ta phase des héros. Alors... Qu'est-ce qui se passe? Déjà, on va regagner un point de commandement? Eh oui. Sachant que, en termes de points de commandement, voyons voir ce que j'ai. J'en avais plus qu'un au début de mon tour. J'en regagne donc un deuxième vu que mon général est en vie. J'ai un bataillon de seigneurs de guerre. Donc, je pourrais déclarer de gagner un point de commandement supplémentaire à ce tour-ci. Voyons voir, j'ai pas mal d'options à faire par-ci, par-là, donc je vais l'utiliser. Alors, ma tactique de bataille, on va faire écho à ma précédente partie, on va essayer de tuer le seigneur de guerre. D'ailleurs, on ne va pas essayer, on va tuer le seigneur de guerre. Et ici, ensuite, voyons voir, donc ma tactique de bataille, c'est bon en termes d'action héroïque. En action héroïque, je pourrais soigner mon bout de sécrateur, mais ça ne m'intéresse pas. Je pourrais tenter de dissiper un sort supplémentaire, ça ne m'intéresse pas non plus. Par contre, je vais gagner un point de commandement supplémentaire avec le buveur de sang qui est ici. Ça passe, c'est un 5. Pour mon Ghoulking sur Terrorgeist, je vais lui mettre Heure de Gloire. Ce qui fait qu'il aura plus 1 à la save et plus 1 pour blesser. Pour blesser. Ça marche. Il a senti que c'était le moment là. Voilà.
Ok, très bien. Ah, ensuite, autre phase des héros. Je pourrais utiliser mes points de dîme de sang pour commencer à invoquer, mais là, ça ne m'intéresse pas du tout. Par contre, derrière, tu as 8 pas entièrement de mon petit bouillard de sang ici. Donc, sur un 5+, tu te prends une blessure mortelle. Et non, c'est raté. Tant pis, c'était à tenter quand même. Et c'est tout en termes de phase de, des héros. On va pouvoir se retrouver juste après la phase de mouvement. Fin de ta phase de mouvement, que s'est-il passé? Alors, d'ailleurs, petite précision, en effet, j'ai oublié comme un idiot d'utiliser mon attitude de commandement pour diviser la course et la charge des unités adverses de 2, mais ça c'est pas grave, hein, c'est un oubli, c'est pas grave, si, c'est très grave, mais bon, c'est un oubli, voilà, faut le faire avec. Sinon, que s'est-il passé? Les chiens ont fait une petite course à 6 pour se mettre devant le dragon, même s'il vole, c'est juste pour me projeter un peu plus en avant. Les buveurs de sang ont simplement avancé tranquillement. Ici, ils sont à 3 pas, ici, ils sont à 5 pas. Sachant que les sanguinaires ont avancé, et ici, comme j'étais bloqué, je n'ai pas pu me redéployer. Donc, phase de tir. Alors, maintenant, on a du tir chez Korn, on va en profiter quand c'est pas les canons. Alors, tout d'abord, mon buveur de sang ici présent, sur un 3+, tu vas te prendre des 3 blessures mortelles. Donc, tu te prends 3 blessures mortelles. Évidemment. Ah oui, attends, là, ça c'est la chasse, monsieur. Alors, sur 6, c'est annulé. Non. Ensuite, il a un tir sur du 3+. Il touche, sur du 3+, il blesse. Pas dû rater celui-là. Eh bien. Ensuite, celui-là, il a 4 attaques à plein potentiel sur du 3+. Il touche, c'est bien. Ensuite, il va blesser sur du 3+. Donc tu auras 3 sauvegardes à moins 1, s'il te plaît. Donc ça fait sauvegarde à 5. Rien. Donc c'est D3 à chaque fois. Non, c'est sauvegarde à 4 parce que tu es sur ton ordre de gloire. Donc oui, comme je suis sur mon ordre de gloire, je suis à 4+, donc ce qui fait que j'ai une sauvegarde réussie, donc tu dois réussir, tu blesses 2 fois. 2d3, donc 1d3, 4, 5 sauvegardes de protection. 5 protections, c'est parti. Et j'en fais une, donc ça fait 4 PV de nouveau. Ce sera tout en phase de tir, et c'est déjà pas mal, hein, il faut le reconnaître. Donc, du coup, ça va être le début des charges. C'est parti. Alors, dans les charges, mon général charge. Il a 3 pas. Il a 4. C'est parfait. Il réussit la charge. Hop et hop. Ensuite, je vais stopper mes charges. Pourquoi donc? Eh bien... Ah. Okay. C'est très simple. Je peux utiliser l'aptitude de commandement ici présent pour pouvoir engager et attaquer à 6 pas. Si je charge contre son monstre et qu'il m'empêche de donner mon ordre, du coup Scarbrand n'aura plus assez de projection. Donc c'est pour ça que autant qu'on se débrouille pour pouvoir se faire plaisir après. Voilà, donc au final, ce n'était que la seule charge. Je peux peut-être envoyer mes sanguinaires dans le pâté de Vingoul, mais ce n'est pas encore le moment. Et ici, je suis déjà engagé. Donc voilà, maintenant que les charges sont terminées, nous allons pouvoir passer aux furies monstrueuses. Et en termes de furies monstrueuses, eh bien c'est très simple, c'est que mon prince, enfin mon général ici présent, va t'empêcher de recevoir des ordres, tout à fait. Évidemment. Donc c'est réussi. Moi, je vais faire un duel titanesque. On est parti pour la phase de combat. Tout d'abord, celui-là va activer justement son aptitude de commandement pour faire en sorte que les démons entièrement à 16 pas autour de lui puissent engager et attaquer, non pas de 3, mais jusqu'à 6. Mais tout d'abord, on a le prince démon ici présent qui tape au début de la phase des héros. Et comme c'est mon tour, c'est moi tout d'abord qui commence mes actions en premier. Donc on est reparti, les mêmes combos, il n'a pas chargé, sur du 3+. Alors, c'est un démon, il pourra relancer les 1 pour toucher raté. C'est un démon majeur, bon, en tout cas il est à côté des démons majeurs, ça tombe bien en plus. Ce sera tout, voilà, donc ça c'est la relance. De nouveau sur du 3+.
il n'y a pas la relance des blessures. Donc ça te fait 2 et 2, 2 sauvegardes normales et 2 sauvegardes à moins 2. Très bien. Donc pour les normales, donc ça sera sur du 3+. 2 dégâts, donc protection. 1 point de vie. 1 point de vie, donc il lui reste 1 point de vie. Tout à fait. Et ensuite 2 autres. 2 autres à moins 2. À moins 2, ce qui m'amène à pas. 4 dés, allez, on fait plein de 6 les gars. Il y en a 6 et 2, 1, c'est toujours ça. Donc il y en a un qui meurt. Un qui prend un point de vie. Et un qui prend un PEV. Le buveur de sang ici présent a 6 attaques de base. Voilà. Il a pu faire son petit redéploiement exprès pour être sûr d'être à 16 pas entièrement à portée du boule sécrateur pour avoir une 7ème attaque. Ce sera sur du 3+. Sachant que j'étais empêché d'avoir un ordre supplémentaire, ça me suffit largement sur du 3+. Je relance toutes les jets pour toucher raté, vu que c'est un chasseur de monstres et de héros, donc ça tombe bien. Voilà, donc il a 6 attaques qui touchent. Ce sera sur du 2+, vu qu'il est à plein potentiel. Voilà, cela te fera donc 1, 2, 3, 4 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. À moins 2, et étant donné qu'il est à 3 actuellement. Avec son ordre de gloire. Donc 4 de 10, hein. 4 sauvegardes, en effet. À moins 2, donc ça fait 3, donc c'est à 5. Allez les gars, c'est pas mal. Ensuite, 2 des 3 dégâts. 2 dégâts. 2 dégâts. Protection à 6. 1 dégât, ça fera pour moi. Je vais donc activer mon Terrorgeist. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai engagé le buveur de sang de sorte à me rapprocher de son Scarbot qui va de toute façon s'approcher de moi. Ça va éviter qu'il se projette plus sur la table. Je pense que sur ces 4 PV restants, il ne va pas tenir longtemps. Donc, autant faire ça comme ça. Dans la mesure où j'ai activé mon duel titanesque, je vais tout mettre sur le buveur de sang. Et du coup, je dépense un point de commandement pour lui mettre plus d'un sauvegarde. Bah oui, tout à fait. Donc c'est parti pour les 5 premières attaques Cerecro sanguinolent. C'est du 3+, donc ça fait du 2+, pour le coup. C'est parti mon gars. Tout touche. On sort les 6 proc, etc. Oui, mais non. De plus, évidemment, je fais 2, 1, 1, hop là. 3 sauvegardes. 3 sauvegardes à moins 1. Moins 1, donc sur du 4. Bon, voilà, c'était beau, hein, décidément. Ouais, c'est pas mal. Donc combien de dégâts? 1 dégât à chaque fois, parce que j'ai 3 dégâts. Ok. Ensuite, on enchaîne avec 3 attaques de griffes de squelette dans la mesure où je suis en profil dégressif. C'est du plus 1 à touche, plus 1 à la blessure, donc ça fera sur du 3+, 2+, des 6 proc. Donc je proc une de plus. Les gars, on se moigne. Alors bien, deux plus. Et je fais encore un 1, ça fait 3 blessures, rien de moins 1. Ouais, blessure 4. Donc une ratée. Une ratée, c'est D3. Ça fait 3. Bien. Il reste 10 points de vie. 10 enfin, 8 points de vie, pardon. Et c'est parti donc pour le râtelier de crocs. Et là, j'y crois fort. Ça sera sur du 3+, 2+, les 6 sont 6 blessures mortelles, allez mon gars. D'accord. Donc j'en reste qu'une. C'est rageant. Donc ça fera Rennes moins 2, 2 plus, 1 moins 2, 2 plus. C'est beau. Rennes moins 2, raté. Raté, ça fera donc 6, des 6 dégâts, 2 dégâts. C'est pas fou. Très bien. 8, il en reste 6. Alors c'était comment la vidéo? Il y avait beaucoup d'ailes en fait. Ouais. Voilà. Bon, bref, il est passé. Franchement, victoire morale si survit. Alors victoire morale. Alors oui, alors victoire morale. Mets-la à la caméra. Victoire morale pour Franck s'il survit. Et pour la première fois sur YouTube, vous allez voir Scarbrand voler littéralement. Allez, d'un point A à un point B, c'est tout. Mais voyons, ça ne se passe pas comme ça. Comme c'est la première fois qu'il attaque et qu'il n'a pas encore perdu de points de vie, et qu'on est encore que au tour 1, ce sera sur du 5+, que je te ferai automatiquement 8 blessures mortelles, et sur un 6, par contre, ce n'est pas 8, c'est 16. Pour vos beaux yeux ébahis, tu as au moins 8 blessures mortelles. 8 blessures mortelles, je dois donc faire 5-6 pour qu'il survive.
C'était beau. J'en fais deux. C'était beau. Hein. J'en fais deux. Par contre, c'est un terroriste, donc il va exploser. Chaque unité à 3 pouces de lui va subir des 3 blessures mortelles. Donc là, les Warsmonger, oui. Le prince démon, non. Donc tu auras là et là. D'accord, on commence par le buveur de sang. Très bien. Ça fera 2 blessures mortelles. Il reste 4 points de vie. Ça sera ensuite sur Scarbrand. 3 blessures mortelles. Il te hait, mais il t'adore. Tant mieux. Et sur les... J'ai encore les Wrathmonger. Ça sera... une blessure mortelle. Vu que je suis en faucheur de la vengeance, je peux utiliser un point de commandement pour faire en sorte d'avoir activé une nouvelle fois un démon qui a attaqué. Donc c'est pour ça que Scarbrand va être activé une deuxième fois pour pouvoir attaquer. C'est pour ça que je n'avais pas fait d'ordre juste avant. Donc il est ici présent. De nouveau, on fait la hache. Hein, tout sur lui. Donc cette fois-ci, il n'y a rien. C'est sur du 4+. C'est bien mon petit, c'est bien. Sur du 3+. 2 sauvegardes à moins 2, s'il te plaît. 2 sauvegardes à moins 2, ça fait que il passe tout de suite en profil. En protection, donc ça fera 6 dégâts. Parce que c'est 3 dégâts à chaque fois. Ok. C'est Scarbrand, monsieur, là, faut pas déconner. Hein. 6 dégâts. Il lui reste 3 PV. On y croit. Allez. Voilà. Ce qui sonne la fin, heureusement, hein, pas plus qu'il y ait pas plus, de la phase de combat. Tout à fait. En termes de déroute, c'est bon. Génial. Il n'y a plus rien à dérouter. En termes de scoring. Alors, j'ai un objectif. J'en ai un deuxième. Donc ça me fait 2 points. Je n'en ai pas plus que toi, vu que tu as toujours tes objectifs. Donc pour l'instant, je n'ai que 2 points d'objectif. Par contre, j'ai réalisé ma tactique de bataille. Donc 4 points. Et comme je l'ai fait avec un monstre, plutôt avec des monstres, mais surtout le monstre, ça m'a fait un 5e point supplémentaire, ce qui fait que je reviens à égalité face à toi. Tout de même. Fort bien. Très bien, écoute, on passe tout de suite. À l'initiative. Au tour 2. Tour 2, initiative, c'est parti. Je lance mon dé. Ça ferait 4 pour moi et 3 pour toi. Je vais donc commencer. Je commence, c'est parti. Donc action héroïque, je vais de facto essayer de récupérer un point de commandement. Ce sera sur du 2+, du coup. Avec qui, du coup? Avec mon archer. D'accord. Eh bien, écoute, moi ce sera mon général qui va essayer de regagner des 3 blessures, c'est bon. Il va regagner 2 points de vie. T'as des choses à faire? Ah oui que j'ai des choses à faire et je pense que tu vas les détester. Pourquoi? Grâce au point de dîme de sang que Korn peut récupérer, donc c'est-à-dire les dîmes de sang à chaque fois qu'une unité ami ou ennemi meurt, je peux utiliser à ma phase des héros ou au début de la phase des héros adverses pour pouvoir soit invoquer, mais ça c'est plutôt dans mon tour, mais plutôt pour faire des tricks. Donc un point de dîme de sang, j'ai un point de commandement, génial. À 2 points de dîme de sang, je peux dissiper un sort automatiquement, quoi qu'il arrive, n'importe où sur le champ de bataille. Troisième point de commandement, je peux faire un mouvement ou faire une charge. Et ça, c'est le plus intéressant pour moi. Et quatrième point de dîme de sang, là, c'est pour faire attaquer une unité une deuxième fois. Là, je ne vous cache pas que j'ai un Terrorgeist qui est devant moi, avec des petits chiens à portée. Donc, avant que tu ailles venir me récupérer justement l'objectif, je vais te charger directement avec mes chiens sur ton Terrorgeist. Procède donc. Ça passe. 8, ça passe. D'accord. Maintenant, je te laisse faire le reste des... Bah oui, évidemment. Ma tactique de bataille pour ce tour sera rembrisée. Donc je vais choisir une unité de ligne qui sera donc ces petits chiens-là. C'est déjà pas mal. Oui, sachant que la tactique de bataille se dit au début de toutes les actions, etc. Mais rassurez-vous, ça ne change rien à mon play d'utiliser ma dîme de sang exprès pour venir impacter le Terrorgeist, car j'aime mieux qu'il fasse un rembrisé tel quel et non pas en venant dans mon camp détruire un objectif. Voilà, donc ça ne change rien. Ça, c'est ce qu'il serait passé, de toute façon, je serais venu avec lui. Exactement. Alors, tu m'as empêché de venir pour venir prendre ton point. C'est vrai. Mais,
Mon Aberrant Archrégent, ici même, va utiliser Convoquer la Garde Royale pour un PC. Vu que je n'ai pas de Charnel's Throne. Et faire venir une unité de 3 chevaliers à 6 pouces d'un bord de table. Et ils vont arriver dans ces eaux-là. Je vais les replacer plus précisément ensuite. Voilà, donc j'ai placé mes 3 chevaliers ici, à 9 pouces des chiens-chiens, dans l'espoir de pouvoir charger et venir récupérer le point tout de même. Voilà, le plan ne se passe pas comme je voulais, mais on suit le plan. Il me reste quand même un sorcier, et pas des moindres. Ce sorcier va lancer, ma foi, des sorts. Et oui, je risque de mourir pour ça. Ah oui, j'attends avec impatience le petit fiasco. Allez. J'ai toujours plus un au spell. Donc je vais commencer tout de suite par lancer son sort majeur qui va donner D3 attaques à unité. Très bien. Donc c'est parti, c'est un lancement de 6, donc c'est sur du 5. Ça fait 9, 10. Eh bien écoute, je vais tenter de le dissiper avec mon général. 1, 8, tiens donc. Le sort est automatiquement dissipé et tu te prends 3 blessures mortelles. Bien. Non, okay. Non, non. C'est terrible. Je suis tellement fier de toi, je suis tellement fier de vous. Bon, donc il se repasse à 4 PV perdus. Ce qui m'amène donc à la fin de ma phase des héros. On se retrouve tout de suite après la phase de mouvement. Tout à fait. Et à fin de ma phase de mouvement, que s'est-il passé? Donc mon terrorgast est resté bloqué. J'ai fait venir mon infernal courtier ici, donc tu as fait un redéploiement avec ton général pour pouvoir te rapprocher du point et le reprendre, ce qui est le cas pour l'instant. Du coup, j'ai changé un peu mes plans. Le Wargulf qui est censé être un totem pour pour lier toujours là, mais bon, ça ne me servira pas à grand chose, va venir pour m'assurer. Je vais essayer de descendre le général. Et ce qui me fait prendre aussi un risque, c'est que j'ai libéré ce point-ci. Mais je donne tout pour aller récupérer le point là-bas. Voilà. Les ghouls se sont approchés pour une charge correcte. Ça devrait aller. Et l'archrégent aussi s'est rapproché pour un prochain tour, réussir peut-être enfin à lancer ses sorts. Phase de tir. J'ai un tir à faire avec... Je vais donc tirer avec le Terrorgeist sur les chiens puisqu'il est engagé. Donc je lance un D6, plus 6 puisqu'il est plus full PV. Ça fait 5, ça fait 11. Ça fait quand même... Une blessure mortelle puisqu'ils sont à 10 de brevet. Tout à fait. Voilà pour ma phase de tir. Passons tout de suite à ma phase de charge. Fin de la phase de charge. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc mes gars sont venus impacter les chiens ici pour venir tenir le point. Mes deux héros se sont attaqués au général. Et pour finir, la charge des ghouls. Je suis allé impacter le joueur de sang. Les sanguinaires, et j'ai fait attention de ne pas me mettre à portée d'engagement. Non. Et Wrathmonger. Le Terrorgast, il va piétiner simplement. Ah bon, vas-y. C'est sur du 2 plus. Ça fait 2. Des 3 blessures mortelles. Ça fait 2 blessures mortelles. Ah ouais. Ah ben non. Et là, ici. Pas non plus. Moi c'est très simple. Ici, je vais. Il touche sur du combien cela? Du 4 plus. Ça c'est pas des monstres, mais c'est de l'infanterie. Ok, ça m'intéresse. Ok, je t'empêche d'avoir un ordre ici. C'est bon, t'as pas d'ordre. Et ici il va piétiner. Alors il va piétiner le. C'est pas des monstres, on est d'accord? Non. Ok, ben, du coup ce sera sur le Wargulf, il va essayer de te piétiner. Il te fait une blessure mortelle. Il est là. Sur un 6. Voilà. Non, mais c'est à tenter, c'est à tenter. Ouais. Rien à dire. Donc, disais-je, le Wargulf va tapouiller. Pour un PC, je vais donner plus 1 à la touche à mon Wargulf. Eh bien, écoute, en réaction, je vais utiliser un point de commandement pour lui mettre plus 1 en sauvegarde. Donc c'est parti pour ses premières attaques, c'est donc les griffes immenses, ça sera donc du 2 plus 3 plus, perf moins 1, 2 plus, donc sur du 2 plus, ça fait un raté, ce 5 a perdu un truc, mais c'est un 5, et du coup c'est sur du 3 plus,
Ça fait 3 touches, frais de moins 1. 3 sauvegardes, 4. Une sauvegarde et deux autres et qui ont échoué. Bah 2 dégâts à chaque fois. Il lui reste 2 points de vie, il n'est toujours pas mort. Ok, et il me reste donc une attaque. 2 plus 2 plus. Une touche. Une touche. Une blessure. Une blessure. Reine de moins 2. Sauvegardez. Merci, oh, Miladin. Scandaleux. Merci, l'équipe de France. J'aurais pu utiliser ma frénésie sanguinaire si je n'avais pas utilisé cette attaque, mais c'est pas grave. Alors, eh bien, c'est très simple. Mon buveur de sang ici présent va attaquer ton petit perso là. On sait jamais, hein, sans malentendu. Oui, ça peut passer. Et peut-être. J'ai plus un sauvegarde, donc je ne vais pas me donner un plus 1 pour toucher. Donc ce sera sur du 3+. C'est un héros, donc je pourrais relancer mes jets pour toucher raté contre lui. Mais par contre, je vais te blesser sur du 4+. Donc, 3+ relançable. Voilà, c'est parfait. Et maintenant, sur du 4+. Tu as 1, 2, 3 save à moins 2, s'il te plaît. Donc ça sera sur du 6. Tu vas te prendre 3 des 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ça il fait se prend 6 points de vie. 6 points de vie. Il en a donc que 6. Ce qui provoque sa mort de type... Par décès. Décédé. Donc 1 point de dîme de sang. Je ne tuerai pas ce coquin. Je suis... Tristesse. Dévasté. 16 goules sur le sanguinaire, le buveur de sang, ce qui fait 3 fois 16, ça fait 32, 48. Ah, c'est dur les maths, hein. Ça fait 48 attaques, 49 avec le champion, ça prend 49 ici, et pour 3 fois 4, 12, c'est parti, je vais chercher ma charrette, et on attaque. C'est parti pour 49 attaques de ghoul sur le gros démon. Je vais relancer ça. J'aime pas les 6. J'aime bien les 6, mais ça fait pas grand chose ici. C'est encore un 3. Mais il y a beaucoup de 6 hein, quand même, là, ça, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, dommage qu'il ne serve à rien. Et c'est de nouveau sur du 4+. Donc là. Aïe, aïe, aïe. 14 sauvegardes, sans rend. Ah, 4+, je ne vais pas plus 1 en sauvegarde. Alors, donc 3-4 PV en moins, décidément. Vous faites du 6, je fais du 6 aussi, hein, ça tombe bien. Ouais. Donc. C'est beaucoup de dés pour pas grand chose. Ah, mais attends, tu n'as pas fini. Mais avec il reste 12 attaques sur les sanguinaires, c'est parti. Alors, c'est toujours pareil. Et 4+ à nouveau. C'est pas négligeable, ça fait 3. Sauvegarde. 3 sauvegardes sans rend, c'est ça? Sans rend. Donc sauvegarde à 5. Eh bien, 3 morts. Oh, c'est un PV? Eh oui. Eh ben, je suis pas mécontent alors. Eh oui. Fort bien. À toi de faire la bafouille. Eh oui. Alors, ici, ce corps à corps là, il ne m'intéresse plus. Ça va être plutôt celui-ci. Du 3+, pardon, je l'ai pas fait de ton côté. C'est pas grave, c'est pas grave. De touches. Je relance les 1 vu que je suis à côté d'un démon majeur. Mais 3 touches sur du 4+ pour blesser. Je vais te les mettre là. Tu as 3 sauvegardes normales s'il te plaît. Du 5+. Une sauvegardée. Un dégât. Un dégât à chaque fois, oui. Donc sur du 6, c'est annulé. Ça fait 2 qui passent. Bonjour, tristesse. Hop, sur celui-là, ça marche. Et ensuite, les attaques du chien là-dessus. Donc, ce sera sur du 3, relançable des as. Donc, hop. Sur du 4+, pour blesser. Tu as 1, 2, 3 sauvegardes sur ton terrorgeist normal, s'il te plaît. Le terrorgeist, qui est dans 3, le 4 de sauvegarde. Eh ben, c'est superbe. Ah, il prend 2 PV. Il n'y a pas un PV de la montre, monsieur. Il y en a deux. Deux PV de la montre. Donc c'est parti pour les 13 attaques sur les chiens-chiens. C'est du 4+, 3+. Les 6 font des blessures mortelles. Ouf. Voilà, donc ça fait 1, 2, 3 blessures mortelles. Très bien. Ah, par contre... Il fait de la touche aussi, là, monsieur. Ça, c'est affreux, là. Donc 3 blessures mortelles et... Très bien. 4 save à moins 4. À moins 1. moins 4, moins 1. Moins 1. Bon bah écoute, ça prend beaucoup. Hein. Vas-y.
Et ça fait un dégât à chaque fois. Donc ça me fait 7. Ça fait 7 blessures. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Parce que là, si je fais 1, que j'explique. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais. En fait, je pensais qu'il me restait peut-être un potentiellement à la limite, pourquoi pas, mais non. Voilà. Et c'est entre guillemets dommage pour toi vu que tu ne l'auras pas fait avec un monstre. Oui. Je pensais pas faire autant de dégâts. Mais moi non plus. C'est dommage, c'est dommage. Donc j'ai 1, 2, 3, 4 attaques, 5 avec le champion. X 2 vu que je suis à portée de mon Blood Secrator, donc ça m'a fait 10 attaques. Les 6 pour te toucher sont automatiquement des blessures mortelles. Sur du 4+, je relance les 1 vu que je suis à portée d'un démon majeur. Voilà, pas de 6. Mais au moins ça touche bien, je suis content. Mmh. Ensuite sur du 3+, tu as 1, 2, 3, 4 sauvegardes à moins 1 sur tes goules s'il te plaît. 4 moins 1, elles sont 6 plus, donc ma foi, je vais faire une protection directement. Et ça fait mon dégât. 4 morts. Ensuite, on active le buveur de sang ici présent. Ouais, la même mayonnaise. Et non. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaques. En fait, c'est quasiment les mêmes attaques. En fait, c'est les mêmes attaques en fait que le Wharf of Korn. Il a 6 attaques de base, il est entièrement à 16 pas de mon boule C14, donc ça me fait une 7ème attaque. Et grâce aux marque-monkeurs qui sont juste à côté, il est entièrement à 8 pas, donc ça lui fait une 8ème attaque. Sur du 3+, pour te toucher, je ne pourrais relancer que les 1, pas tout léger pour te toucher. J'arrive pas à voir, c'est pas un 2. C'est un 2. Il est nul alors. Hop, ici je ne te touche pas, décidément. Ensuite, ce sera sur du 3+, et non pas sur du 2+, vu que j'ai un tableau dégressif en termes de blessures, ce qui est déjà pas mal. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5 save à moins 2, donc tu n'as pas sauvegarde, mais c'est des 3 à chaque fois. Oui, oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, protection s'il te plaît. Je vais le faire en deux fois, 5 premières. Oh, 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 oh. Ok, ok. Je peux concéder tout de suite là. Je ne concède pas, mais vous noterez que il joue à domicile. Voyons, voyons, bien sûr. Bien, hein. Les deuxièmes salles. Il fallait que dans le monde réel, ça arrive. Ça arrive. Ça arrive. C'est arrivé. Bon, ça ne fait que 3 morts. Eh bien, écoute, que 3 morts, ça change pas vraiment mes plans, mais quand même. Alors, j'explique. Car je vais dépenser mon dernier point de commandement pour justement faire en sorte de pouvoir réattaquer une seconde fois. Bien. Alors, sur du 3, on relance les 1. C'est un 4, donc là, tout touche. Maintenant, tout laisse et va tout tuer, hein, à ce niveau-là. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plutôt. 6 des 3. 1, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc là, je vais en faire 7 premières. Ah, rien. 7 premières, donc ensuite, ça fera 6. Face à un démon majeur de corps. Oh, vénère. Il est énervé. Et, ah, c'est dommage, j'aurais bien voulu lui mettre une vraie fringue juste pour le feu. Donc, ça fait 19 goules morts, voilà. Plus un des 6. Dans le vocabulaire, on n'appelle pas ça un dépop, c'est une dégoule, voilà. Voilà, ça fait... beaucoup. Beaucoup. Voilà. Merci à elle. Donc, les goules peuvent fuir, en effet. Tu peux prendre ta dîme de sang. Et oui. Et t'as pris ta dîme de sang pour tes chiens? Oui, oui. J'ai eu mes chiens, j'ai eu ton perso et j'ai eu les goules. Voilà. Ça fait 3 dîmes de sang pour ce tour, c'est pas négligeable. Et oui. C'est même très embêtant pour moi. Mais par contre, en termes de scoring... C'est la merde. Alors, c'est clairement la merde parce que du coup, je n'ai pas réussi à faire mon plan. Ce qui fait que je tiens... Tu as un objectif. Un objectif. Un point. Tu en as un deuxième, 2 points. Ici, tu n'as pas pu reprendre ici car mon monstre compte pour 5 face à 3. Vu que tes ghouls, enfin tes, tes flyers n'ont que 4 points de vie et non pas 5. Donc ça ne compte pas pour 2. Donc au final... Tu ne rapportes pas de points supplémentaires, puisque entre temps, j'ai quand même pu récupérer l'objectif. Ouais. Par contre, tu as quand même 2 autres points, vu que tu as tué
la ligne. La ligne. Et, mais là, mais comme c'était pas avec un monstre. Du coup, ne pensais pas être aussi efficace. Voilà, donc je réussis, mais je réussis mal. Voilà, donc je suis à 4, donc ça nous fait un 6 à 4, puisque tu m'avais tué avec un monstre. Un monstre. Non, tu m'avais oui, tué un monstre. Un monstre. Donc, en fait, la réalité du premier tour, en fait, un 5-5, c'était plutôt un 6 pour moi, 5 pour toi. Et là, maintenant, tu auras un 9, et moi, je suis à 6 pour l'instant. Voilà. Donc, on a fait donc, la phase de mort à tout ça. Nous passons donc tout de suite à ton tour. C'est parti. On peut jouer safe et prendre monstre avec appareil, pardon, donc ce que je vais faire, c'est-à-dire c'est Scarbrand qui va aller tranquillement grignoter de ce côté-ci tout en tenant l'objectif. Donc voilà, ce sera ma tactique de bataille ce tour-ci. Ensuite, dans les actions héroïques, ce n'est pas mon but de faire gagner des points d'IA Scarbrand pour le faire énerver de plus en plus. Donc là, ce sera surtout de faire en sorte que le... Après, ça me rapporte un point de dîme de sang supplémentaire, c'est pas mal. Mais derrière, j'ai quand même toujours envie qu'il soit en vie, donc ça sera plus justement lui faire regagner des points de vie. Donc c'est-à-dire 8, ça passe, il va regagner 3 points de vie. Je vais donner une heure de gloire à mon Vargul. J'ai 3 points de dîme de sang. La dîme de sang, je pourrais soit invoquer, soit dissiper, etc., etc. Là, je vais surtout essayer de faire en fait avancer d'une deuxième fois une unité. Donc, c'est ce que je vais faire avec mon petit buveur de sang ici. Sachant que comme c'est la phase des héros, il ne peut pas se redéployer derrière. Alors, par contre, sachant que tu m'as enlevé pas mal de points de vie, j'ai un mouvement de 9 au lieu de 10. Parce que l'on se sent vraiment pas bien. Ah bah du coup, a priori, je vais pouvoir le faire arrêter à 3. Et en termes de phase des héros, je n'ai rien d'autre à faire, donc c'est déjà pas mal. Alors, au début de la phase de tir. Alors, qu'est-ce que tu as fait à la phase de mouvement? Alors oui, déjà, c'est vrai, excuse-moi, les politesses, voyons. Eh bien écoute, lui, il n'a pas bougé, il a déjà bougé bien comme il fallait. Bien écoute, ça a bien couru dans tous les sens, hein, je dois te l'avouer. Les sanguinaires vont aller choper un objectif par là. Le prince démon, pareil, s'est avancé. En fait, tout le monde a avancé comme il faut, surtout en courant de ce côté-ci, mais lui, en avançant normalement, comme ça, je peux faire ma charge juste après. Donc, voilà mon résumé de ma phase de mouvement. Ça va bien. Phase de tir. Le buveur de sang ici présent va donc lancer son petit fouet sur... Est-ce qu'il a un nom, le petit? L'arborant archerageant. Non, est-ce qu'il a un vrai nom? Guy. Guy. Et il va donc tirer sur Guy. Alors, par contre, comme tu m'as fait des dégâts, ce sera donc 4 attaques sur du 3+. Je relance les as, vu que je suis démon majeur. Voilà. Ensuite, je te blesse sur du 3+. Tu auras donc 2 sauvegardes à moins 1, s'il te plaît. C'est qui me donne une sauvegarde à 5. Donc 2 des 3. Tu as 1, 2, 3 sauvegardes à faire, s'il te plaît. Et qui se prendra donc 2 dégâts. Ici, je vais faire sur un 3+, des 3 blessures mortelles. Donc ici, là-dessus. Ça passe. Évidemment. Tu as 2 blessures mortelles. Ça tombe bien, il y en a un qui n'a plus que 2 points de vie. Hop, un mort. Voilà, ça c'était pour les chiens. Muerto de la muerte. Hop, hop. Ensuite, ici, il va faire son petit tir. Bon, tu l'as tellement bien affaibli que ça n'a pas grand intérêt, mais au moins il le fera. Donc sur du 3+, il touche. Sur du 3+, il blesse. Une sauvegarde à moins 1, s'il te plaît. Je sauvegarder. Sauvegarder, parce que j'ai fait mon ordre de gloire de toute façon. Et oui, c'est vrai, correct. Donc. Il est à 5+. Donc, Très bien. Eh bien, on est reparti. Ici, ce sera... Alors attention, déclaration des charges, c'est très important. Ah oui, avant tout, quand même. Et oui, déclaration des charges. Mon buveur de sang, ici, va tenter la charge. À 3. Juste pour le plaisir des yeux. Ah, les ailes. Ah, au secours. Voilà. Il se sent mal. Il se sent bien entouré, comme on dit. Ensuite, Scarbrand lance ses dés de charge, c'est bon. Alors oui, on disait en off que Scarbrand ne couvre pas l'objectif, lui, le piétine. Hein, on le sent bien, la délicatesse de cette figurine. Et c'est là que le Vargulf se sent pas bien non plus. Eh oui, tout à fait Jamy. Enfin, tout à fait Franck, pour le coup. Ensuite, ce sera tout. Donc, derrière,
Furie monstrueuse, ici, je vais tenter de te piétiner. C'est pas correct, c'est vraiment pas correct. Il le réussit, vu que c'est un piétinement sur un 2+. Pour 2 blessures mortelles, s'il te plaît. Allez, alors je serai genre, t'es là. Bon, t'es plus là. Voilà. T'es là, t'es plus là. T'es là, je crois que c'est un sang orc, c'est pas ça. Tombé, pardon. Donc, ici, le buveur de sang attaque là. Donc, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 attaques. Je n'ai pas la 7ème attaque, dommage. Et je ne suis pas entièrement à 12 pas, donc tant pis. Tu es un héros, donc je relancerai mes attaques pour toucher raté. Sur du 3+. Eh ben, ça tombe bien, la relance, dis donc. C'est mieux. Hein. Mmh. Mais on va dire que ça suffira. Tu m'as fait beaucoup de points de vie. Ce sera sur du 4. Ce sera sur du 4. Donc tu auras 3 saves à moins 2, s'il te plaît. Moins 2, donc je passe directement à... Tu es sur ton ordre de gloire. À moins 2, je suis à 4, ça fait 6. Voilà. Donc ça fait... Donc tu m'as dit 3. 3, tout à fait. 3 à 6. Donc 3 des 3. Et ben voilà, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Scarbrand attaquera. Ça fait combien, ça fait 3 points de vie, hein. J'aurais pu faire mieux, bon monsieur, mais bon, voilà. Donc ça ferait que 2 points de vie. Sur, donc c'est donc le Vargulf attaque Scarbrand. Donc c'est du 3+. C'est parti, mon gars. Tu as de la reine en particulier ou pas? C'est du moins 1. J'ai de la reine moins 1 et moins 2 pour l'attaque suivante. Eh bien écoute, je vais dépenser mon dernier point de commandement pour lui faire plus 1, là, c'est bon. Voilà. 2+. Une reine moins 1. Donc à 4, raté. Pour combien de dégâts? Ça fera 2 dégâts. Très bien. Et enfin, une attaque unique à 3+, 1+. Donc 2+. 3+. D'ailleurs. Super. Je suis aux anges. Ok, bon ben Scarbrand, hein, bonjour. Bah, voilà. Vous le vouliez, ben vous l'avez, hein, pour une fois. Enfin, pour une fois. Il sera apporté à chaque fois de ses attaques. D'aussi bien que des Warfmongers entièrement à 8 pas, que entièrement à 16 pas de la bannière. Donc carnage, sur du 5+, 8 blessures mortelles, sur du 6, 16 blessures. Bon, 16 et 8, 24, 24 blessures mortelles, je t'en prie. Alors attends, regarde, ça part. Ah, il est parti, bon. J'aime bien, on lance les dés, t'inquiète. Voilà. Attends, il faut toujours lancer les dés, on m'a dit. Oui, il faut... La preuve, voilà. Rappelons-nous des 10 sauvegardes à faire, des 5 premiers 6, il faut toujours lancer les dés. C'est sûr. Très bien, bravo à toi. Alors, et tes flyers là par contre peuvent. Ouais, mes flyers vont venir. C'est parti pour 9 attaques, les 6 sont des blessures mortelles. Oh, voilà. Il y a déjà 3 6, donc ça fait déjà 3 blessures mortelles. Donc 3 points de vie en moins déjà. Et c'est sur du 4+, donc ça, ça. Ça sera 2 points de vie. Et ça. Et ensuite, c'est sur du 3+. Et ben, ça fait 4 saves à reine moins 1. 4 saves à reine moins 1, donc 4 saves à 5. Il survit à 1 point de vie. Trans, c'est pas vrai. En termes de scoring. En termes de scoring, j'ai un point parce que j'ai un objectif, un deuxième point vu que j'en ai moins 2. Calculons la portée de là-bas. Alors, je suis limité. Faire, s'il te plaît, est-ce que je suis à 6 pas ou pas? Tu es à 6 pas. Donc j'ai plus d'objectifs que toi, ça me rapporte que plus que moi. 3 points. Oui, bah oui. 3 oui. points. Et derrière, justement, j'ai accompli ma tactique de bataille, donc mon sac à pareur 5. Et mon sac à pareur, ça ne porte pas un point de commandement supplémentaire. Je n'ai pas tué de monstre à ce round 2-ci, donc ça me fait 11 points. Donc 11 à 9 pour le round 2. Ce qui nous amène donc à la fin du tour 2, mon cher Morgoth. Oui. Donc on se retrouve tout de suite pour le tour 3. C'est parti pour le round 3. Je lance mon dé d'initiative. C'est un 1. Oui, tout à fait. Il brille ce dé, je l'aime pas. Il brille de mille feux. Donc j'ai l'initiative que je vais prendre, je ne vois pas pourquoi je la laisserai ici. Très bien. Et bien dans ce cas-là, voilà. Je vais avoir la possibilité de détruire un objectif. Oui, vu qu'on est au début du tour 3. Puisque derrière, tu as ça. Non, vas-y, écoute. Shut. Shut de diantre de. Et ça mange cet objectif. Si pour essayer, c'est pas pareil. Bon. Alors là, présentement, je suis chafouin. Tant pis.
Voilà, parce que moi l'idée, alors, moi là, quand même je le dis, mon idée c'était, là, de ces tours-ci, de prendre la tactique tuer le seigneur de guerre. Tuer le seigneur de guerre, donc, bon, c'est ce que je vais faire de toute façon. Mais l'idée était d'envoyer mon Terrorgeist, venir prendre là et le tuer simplement au tir, ça aurait suffi. Tout à fait. Enfin, ou au tir de mes gars, enfin, bon, il serait mort. Mort de décès, oui. Fortement. Donc, voilà, tant pis. Tu n'as pas donné d'or l'ordre à ton prince. Je le note. Bien. Bon, ce tour 3 va être très rapide. Je n'ai plus de sorcier, donc c'est fini pour ça. Pour les points de commandement quand même, j'en regagne un. Et moi j'en regagne deux pour plus toi. Un 3 puisque mon général est en vie. Tout à fait. Pour l'instant. Pour ce qui est donc de ma tactique, donc je l'ai dit, c'était tout le seigneur de guerre. Bien écoute, moi je pourrais tenter de me soigner pour que tu me fasses dépenser plus de ressources à ce niveau-là. Eh bien écoute, il aime bien se soigner. Il réussit à chaque fois. Un 9 c'est bon pour 3 points de vie, décidément. Donc on passe au centre tout de suite après ma phase de mouvement. Fin de ma phase de mouvement qui a été extrêmement longue dans la mesure où le Terrorgeist a fait un simple mouvement et s'est mis en hauteur comme ceci. Et moi Scarbrand s'est redéployé. Voilà, donc Scarbrand est à 6 pouces et le prince est à 3 pouces du Terrorgeist. Donc le Terrorgeist, comme c'était prévu, va tirer sur papa. Donc c'est 1 des 6 plus 6. C'est 9, ça ne suffit pas. Et non. Non, ça ne suffit pas. C'est pas grave. C'est coup ça. Très bien, phase de tir étant terminée, je vais pouvoir passer à ma phase de charge immédiatement. Je vais donc faire charger le seul qui reste, le Terrorgeist. C'est parti, on va voir ce qu'on peut faire ensuite. 8. Oh, c'est une belle charge. Un 8, ça suffit à faire... Pouf. Bonjour. Elle te sait mort, bonjour. Dans tous les sens. Con. Non, mais les effets spéciaux, tout ça, J'impacte les deux comme ceci. Les deux s'insultent, hein, on note. Hein. Ouais. Ah, ils ont la tête comme ça, là. Ils sont octogone. Bien, très bien. Voilà pour ma charge. Fura monstrueuse, duel titanesque, bien entendu. Alors, donc, je me fais un duel titanesque de Scarbrand sur le petit Terrorgeist. Évidemment. Et ensuite, le buveur de sang ici présent va faire en sorte d'empêcher un ordre sur cette unité-là. C'est bon. Très bien, donc c'est parti. J'active sans plus attendre, évidemment, mon Terrorgeist. Ok, je vais faire griffes de squelette sur Scarbrand. D'accord. Et râteler de crocs sur lui. Donc je vais commencer par les griffes de squelette sur notre ami Scarbrand. Très bien, je le mets plus un sauvegarde. Mmh. D'accord. 3 plus 3 plus sur Scarbrand. C'est parti. Je fais un 6, donc je croque 1. Oh, joli. Et ça fait 4 blessures, Rennes-1. Rennes-1, sachant que je lui ai donné la sauvegarde en plus. Pour rien, donc, ça fait combien de dégâts? D3. Oh. Et voilà, un Scarbrand qui dépop. C'était un point de commandement bien utilisé. Et il me reste donc mes 3 attaques de râtelier de croc. C'est là où je vais voir si je regrette d'avoir fait comme ça. Vas-y, le Terrorgeist. Voilà. C'est une touche. 3 plus. Ça blesse. Rend moins 2. C'est grave. 6. Sans regarder. C'est pas vrai. 6 attaques de base. Du coup, tout sur ces petits-là. Relance des as. Oh, et là on sent que c'est les fatigués. Ouais. Sachant que j'aurais pu lui donner plus 1 à la touche, hein, mais je l'ai pas fait, c'est pas grave. Je m'attendais pas à un tel résultat. Ouais, ça c'est terrible. Deux touches. Deux touches. Sur du 4 plus. Deux blessures à moins 2. À moins 2, donc du coup, direct. Donc 2 des 3. 1, 2, 3, 4, 5. 5. Ils sont tous full PV, mais ça devrait aller. Donc un mort. Ça fait un mort. Donc celui-là là-bas, puisque je garde mon chef. On se demande bien pourquoi. Ouais. Donc c'est parti pour mon chef. Donc 5 attaques. 5 attaques, 4 plus, 3 plus. C'est parti. Les 6 sont des blessures mortelles. Une blessure mortelle, donc. Une blessure mortelle. Et je... Voilà, c'est bien déjà. Et
C'est parti, deux attaques. Une blessure, reine moins 1. 5 donc, raté. 1 PV. 1 PV. Il me reste 2 PV. Et oui. Et je suis c'est bien si on est diffuseur de sang dans cette version-là. Je suis vraiment chafouin. Pour le scoring, je ne réussis pas ma tactique. Non. Donc, malheureusement. Et je ne pourrais plus la refaire, c'est dommage. Et oui. Tu as un objectif, tu as un deuxième objectif. Et c'est surtout. Et oui, parce que là tu n'arrives pas à le récupérer. Ouais. Donc ça te fera deux points. Mais un troisième point, vu que tu as tué un monstre sur une de scie. Tout à fait. Tu as voilà. 12. Ce qui fait que nous passons tout de suite à ton round 3. Tout à fait. C'est parti. Alors, début de mon round 3. Alors, ça va être très simple. Mon point de commandement, car mon général est encore en vie, sachant qu'il m'en restait un autre, donc du coup ça m'en fait deux. Est-ce que j'ai fait mon point de dîme de sang avec Scarbrand ? Non, je ne l'ai pas fait. Donc, hop, mon troisième point, dîme de sang, Scarbrand, bonjour, merci. En tactique de bataille, je vais faire mise à mort. Décidément, tes ghouls n'ont pas compris que dans cette zone-là, faut pas y aller. Voilà, il fait pas bon vivre, il fait pas bon mourir. Là, tu vois, à ce niveau-là, c'est parti, mon kiki. Donc, ce sera mise à mort de tuer ce monstre-ci. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ce sera tout. En termes d'action héroïque, eh bien, de nouveau, bizarrement, mon buveur de sang, mon général, va se soigner. Il fait 11. Et moi, j'ai pris trop de dés, là. Ah là là. Enfin. Phase de tir. Alors, ici, je vais te faire des 3 blessures mentales sur du 3+. Non. Ah, non, c'est une aptitude, donc ça ne fait rien. Par contre, mon petit fouet, sur du 3+, il touche, il te blesse, une sauvegarde à moins 1, s'il te plaît, pour 1 point de dégâts. Il sauvegarde, c'est beau. Ensuite, le fouet, ici présent, il relance les 1, il te touche 3 fois, il te fait 2 blessures à moins 1. Donc 2 des 3. 1, 2, 3, 4, 5. Sauvegarde s'il te plaît. Enfin 5 protections pour le coup. C'est bien. 5 PV. 5 PV, c'est bien mon petit, c'est bien. Très bien. Ensuite. Il lui en reste 9. Pour l'instant. Déclaration des charges. Mon petit ici présent va charger. Le prince démon qui est à 3 réussit. Il y arrive, même au point de vue. Voilà, et cela sera tout. Je vais faire en sorte d'avoir plus 1 à la touche avec celui-ci. Et mon buveur de sang va tenter de piétiner l'unité qui est ici. Procède. Il le piétine pour 1 point de protection, s'il te plaît, 1 point de vie. 1 point de vie, il en reste 3. Je vais empêcher, allez, au hasard, le... Plus un, t'as mis plus un à lui à la touche, c'est ça? Oui. À la touche, oui. Je vais empêcher celui-ci, le général, de recevoir un ordre. Très bien. C'est parti. Voilà. Et non. Ok, à toi de jouer. Alors, d'abord, activation du prince démon. Il relance les 1. Très bien, donc tout touche pour l'instant. Sur du 3+, ce qui est déjà largement suffisant. Donc en blanc, ce sont des sauvegardes normales sans rend, et en bleu, ce sont des blessures avec rend de moins 2. 4 et 4. 4 et 4, à savoir que j'ai plus 1 à la save, donc ça m'amène à 3+ déjà pour les normales. Ok, combien de dégâts? Donc pour l'instant, tu as 4 de dégâts. 4 dégâts, d'accord. Et ensuite... Tu as 4 save à moins 2. À moins 2, ce qui m'amène à 5. Donc tu auras 6, donc tu auras 10 blessures mortelles à sauvegarder, s'il te plaît. 6, 7, 8, 10. Si tu penses regarder quelques-uns, ça me ferait plaisir, je ne te cache pas. Oh le sale gosse. Aucun. Ce qui fait qu'il meurt instantanément. Il meurt instantanément et je ne marque pas un point supplémentaire. Mais ça c'est pas grave, ça s'appelle de la gourmandise. Ah oui, il est vrai que le prince démon n'est pas un monstre. Et non. Par contre, je vais infliger des 3 blessures mortelles. Et ça peut peut-être le tuer justement. Alors, c'est parti. Bah il lui reste 2 PV. Et oui. C'est parti pour le général. Allez. Eh ben non. Une. Le prince démon,
une. Et il a une ward à 5, le prince démon. Le dernier, 2. Okay. Donc il se prend un point de vie, très bien. Et lui, il se prend 2, ok. Voilà. Et bah, ensuite, le général va attaquer beaucoup. Là, c'est juste pour te faire comprendre qu'il y en a marre de l'attaquer. Il est à moins de 16 pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et un 7. Sur du 3 plus. Sur du 4 plus. Hop, tu as 4 save à moins 2, s'il te plaît. Donc ça veut dire rien. Donc, 4 des 3 alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Allez, pour ma dernière action de cette partie. 9-6. Tu fais 9-6 à la caméra. Il me fait 9-6. Je déclare vainqueur Franck. Et là, par résultat... J'en fais aucun. Et là, attends, putain, et là, par la magie du montage, 9-6. Oh, quoi? Quoi? Il a changé en post-prod, quoi? Incroyable. Bah du coup, ce qui fait que je perds Coco, que je n'ai plus de Terrorgeist, ce qui fait qu'il me reste 10 pauvres ghouls, qui sont sanguinaires, elles sont complètement folles, hein, évidemment, mais elles vont pas faire grand-chose, les pauvres. Elles sentent le vent tourner, la force bleue décroît, la force rouge est présente, c'est beau. Donc là, je pense que ça sert à rien de souffrir pour rien, ok. Tu vas sans aucun problème venir récupérer, donc tu as déjà 1, 2, 3, 4 points, le cinquième. 1, 2, 3 points, parce que j'ai un objectif, deux objectifs, plus que toi. Oui. J'ai un point des objectifs. 5, 6, ouais, là ça me fait 18, je crois, quelque chose comme voilà. ça. Donc là, là tu es monté dans les étoiles. C'est la Team Rocket, là. Voilà, c'est ça. Bah du coup, voilà, je ne peux que te concéder cette victoire largement méritée. Bravo Morgoth. Je t'en prie, bravo à toi Franck. Et du coup on se retrouve tout de suite pour le débriefing. Il y a des choses à dire. Donc voilà, nous voilà à la fin de la partie. Bien joué, donc c'est une victoire pour Morgoth. Assez haut la main suite à une quasi table rase. Enfin, ça aurait été une table rase si on avait continué, je pense. L'histoire veut que la table rase n'a pas encore été effectuée. Voilà, il me reste 10 ghouls. L'histoire dit aussi qu'elles ont renversé des armées. Voilà, donc bravo à toi, c'était très bien joué. Merci, bah, toi aussi. Bah, je sais pas, moi aussi. Ah, je pense que bah, j'aurais pu mieux jouer, sinon comme ça j'aurais pu peut-être gagner. C'est toujours comme ça après les parties, ça. Oui, ah, si j'avais fait ça, oui, oui. Non, mais oh. Non, mais bon, alors ta liste est très forte de base, donc tu me l'as dit, c'est une liste à destination de tournoi. Tournoi, oui. Voilà. Donc ça, c'est voilà, c'est le genre de liste qu'on peut rencontrer en tournoi. Sachant modulo, que... Modulo Bellacor. Ouais, Modulo Bellacor qui reste une valeur sûre aussi bien pour du Chef de Darkness, pour de la Légion du Premier Prince, pour du Korn ou pour n'importe quelle armée, vu que ça peut permettre vraiment de dire à une unité, de l'annuler complètement tous ses effets. Et en tournoi, c'est toujours bien, qu'importe l'adversaire, de pouvoir stopper l'avancée telle qu'elle. Bah après, là, c'était mon parti pris aujourd'hui de ne pas jouer Bellacor pour dire, bah, si vous n'avez pas Bellacor, que ce soit en figurine ou que vous n'avez pas envie de jouer, bah, c'est tout à fait faisable. Et même là, on en parlait en off pour dire, bah, voilà, est-ce que on mettrait plus de Terrorgeist dans en termes de ligne. Bah, moi, je suis en mode, bah, c'est très bien. Comme je n'affronte pas, je n'ai pas un full buveur de sang, où là, par contre, je peux aller gérer toutes les menaces, bah, je vais vite me retrouver acculé et je ne peux pas générer toutes les menaces non plus. Donc, c'est pour ça que ça restait quand même un très bon choix, toi derrière, de venir impacter le plus tôt possible. Déjà de 1, pour m'empêcher de pouvoir scorer tes objectifs. De 2, pour contraindre Skarbrand, bah, essayer de l'engager le plus tôt possible avec une unité qui va être mise au sacrifice. Bah, ok, mais c'est juste un tour où Skarbrand ne pourra pas taper avec un 1 plus à 8 blessures mentales, etc. Ouais, c'était pour ça. Contrer ce truc-là où il serait libre de faire ce qu'il veut. C'est pour ça que tes flyers, en plus d'éviter justement toute la zone d'engagement à 6 pas, où là, bah, c'était mon petit piège là aussi pour te dire, bah, en fait, ouais, Skarbrand, il est en plein milieu, tu es capable de le stopper son avance. Mais ça reste toujours Skarbrand, ou sur un malentendu, sur un 5+, mais avec plusieurs attaques, donc potentiellement, j'ai quand même 8 blessures mentales qui passent, donc en fait, je commence à te grignoter, et tout l'impact que tu as pu mettre dedans, bah, en fait, je l'ai vite ressenti. Donc c'est pour ça que le premier tour, même s'il est défensif, j'ai eu plus de chance, mais ça reste un jeu de dés. Il aurait peut-être fallu que mon général meure plus vite,
avec tous les où je soigne peut-être moins de blessures. Oui, oui, en fait, c'est un buveur de sang qui est en moins. Du coup, je n'ai plus l'aptitude de commandement pour engager, attaquer une deuxième fois. Là, par contre, mon armée ne tient plus forcément la route. Donc, c'est pour ça, non, jouer agressivement tel quel, c'est toujours bon à prendre. Ouais. Petite précision, petit disclaimer, comme on dit. Oui. Voilà, il y a eu une erreur, on va dire. Une inversion. Une inversion de capacité qui a peu d'impact sur la finalité de la partie. Je te laisse expliquer. Bon, déjà, je tiens à m'en excuser, puisque dans la sous-faction des Faucheurs de la Vengeance, justement, le général peut donc choisir une unité à 8 pas entièrement et la faire attaquer une deuxième fois. Ce que j'ai fait avec mon Infected Fury, mais il n'est pas le général. Mon général, pour rappel, il était à l'autre bout du champ de bataille, donc il n'était pas à 8 pas. Ce qui fait que, justement, c'était la phase où, justement, tout le pâté de ghoul, après avoir sauvegardé honteusement les blessures mentales, aurait pu, justement, tenir un tour supplémentaire. Après, justement, en discutant en off, comment la projection, les mathématiques, la statistique, vous n'avez pas idée, autour d'un bon repas d'ailleurs, merci ouais. encore, ouais. ça a été le fait de dire, bah, au final, la stratégie et l'impact de la partie ne change pas grand-chose. En fait, au final, ça ne change qu'un seul tour. Donc ça veut dire qu'au lieu de table raser T4, au final, j'aurais pu dire un T5. Mais bon, parce que derrière, ça veut dire que ce que j'ai pu faire en termes de stratégie là, en fait, je l'aurais appliqué directement à mon général sur le buveur de sang, qui, après avoir éliminé une unité, ben, on va pas dire, bah tiens, je réattaque, et peut-être essayer, voire tenter de coucher le Wargulf, pour ensuite permettre à Scarbrand d'être beaucoup plus à l'aise, peut-être mieux se redéployer, des choses comme ça. Donc, encore une fois, mea culpa, ce sont des choses qui arrivent, et du coup, comme je vous l'ai dit, maintenant, je ne la ferai plus, cette erreur. Tout d'abord, je tiens à remercier nos partenaires, vous les connaissez, Crank Wargame. Ah, je crois que c'était banqué. Non, toi, t'es plus qu'un partenaire. Non. Ouais, vas-y, je suis pas. Vas-y, devant la caméra. Crank Wargame, bien sûr, pour ce tapis que vous n'aviez pas encore vu et je l'aime beaucoup. C'est assez. Non, mais, il est vivifiant. Mais c'est bien, tu vois, il y a le rouge de mon armée pour la lave, il voilà. y a le côté gris-bleu ouais, pour ouais. le reste. Non, non, mais même si on est sur des socles neige, ça passe. Mais oui. Lave enneigée. Oui, voilà, exactement. Ah, ouais. Bon, je vais pas refaire les socles. Royaume du chaos. Voilà. Les chaos, voilà. Ça peut tout passer. Voilà. Donc, merci pour ce tapis encore, Crank Wargame, vous avez les liens dans la description. Ainsi que notre nouveau partenaire, bon, c'est plus un nouveau maintenant, on commence à vous en parler, mais My Hobby Place. Si vous voulez des figurines à moindre coût de chez Game Workshop, une petite astuce là en ce moment c'est les dragons, moins 20% dessus, ça fait plaisir. Ça passe en mais garde. Dis donc Franck, quel dragon parles-tu? Je me demande. On risque d'en voir beaucoup sous peu. Voilà, et donc voilà, retrouvez tous nos partenaires en description. N'hésitez pas à passer, vous inscrire sur notre site, il y a plein de choses qui apparaissent, qui deviennent exclusives au site Creative Wargame. Comme d'habitude, un pouce, un commentaire, non, tu peux garder les tiens, je tiens. Le partage, le Tipeee, voilà, si vous aimez nos vidéos, c'est ce qui nous fait vivre, et on remercie tous ceux qui le font, et on remercie ceux qui ne l'ont pas encore fait, mais qui vont le faire, et surtout, donc, je te remercie, toi, Morgoth, je t'en prie. À très bientôt, mais oui, bien sûr, et à vous, je dis, ciao les seigneurs de guerre.